Bonjour Patrick Dietli, vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous en direct de Montréal. Vous êtes directeur des ventes et responsable des partenariats de SaaS, mais vous êtes également partenaire de l'événement LSA Live. Alors, la transformation, on parle beaucoup de cette fameuse transformation, mais elle est voulue ou elle est subie, cette transformation? Merci beaucoup, Yves, d'être avec moi aujourd'hui. Donc, que la transformation digitale soit subie ou voulue, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour répondre au changement, de comportement des consommateurs. Nous finalisons une étude avec LSA qui fait ressortir que les entreprises ayant une équipe dédiée à l'analyse du comportement du consommateur se considèrent préparées à 82% pour relever les défis de la transformation digitale. D'ailleurs, plus de la moitié qui est important entre elles, font des investissements opérationnels. Des investissements opérationnels sur le cloud et dans les solutions technologiques. Alors, vous n'allez pas me contredire si je vous dis que la supply chain va être au cœur de cette transformation. Absolument pas. C'est le cœur où je vais encore un état plus vite. Plus loin, la chaîne d'approvisionnement, c'est l'épine dorsale de cette transformation. La chaîne d'approvisionnement doit tirer parti des données. On peut même dire qu'aujourd'hui, elle en dépend. À un côté, un certain acteur de la grande consommation qui ont une stratégie guidée par les données et l'analytique ont commencé à mettre en place des technologies de type artificiel, intelligence artificielle, machine learning en temps réel. Ils ont même de suivre le comportement des consommateurs, de réagir de façon agile, d'optimiser leur supply chain. Ils sont aujourd'hui capables de s'adapter aux événements imprévisibles. À l'autre côté, pour les acteurs n'ayant pas encore mis en place cet environnement, il existe des approches simplifiées. Des approches simplifiées dans le cloud permettant un accès rapide aux solutions analytiques pour mieux comprendre la demande, améliorer la prévision de vente et répondre de façon pragmatique en continuant à assurer la disponibilité des marchandises. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Dietli. Nous parlons bien évidemment de tous ces sujets avec vous, avec SaaS, lors de LSA Live en novembre prochain. Merci et à bientôt.